Edgar Boulet, ce Martiniquais, s'est installé un jour tel un coucou sur un terrain qui ne lui appartenait pas, dans une maison qui ne lui appartenait pas. Les occupants, un couple et ses enfants. Oh, ils sont partis, ne reviendront pas. Ils sont loin, ils ont fui. Edgar refait les peintures, Edgar change la moquette, Edgar vend leur voiture, Edgar met son nom sur la boîte aux lettres. Le problème, c'est que quand la police va enfin daigner s'intéresser à cette affaire, elle va trouver, au fond d'un trou dans le jardin, les corps des quatre occupants de la maison. Le père, la mère, leur petit garçon et leur petite fille. Dans cette affaire sordide au mobile minable, on trouve aussi un voyant, un sorcier vaudou, des pattes de poulet et sur le rebord de la fenêtre, des petits pots pour bébés destinés à nourrir les esprits des enfants assassinés. Melun, à 50 km au sud de Paris. C'est ici que vivait Stéphanie Sané et son compagnon Donald Davila. Stéphanie avait rencontré Donald à l'âge de 18 ans. Lui en avait 30. Elle faisait de petits boulots. Lui était musicien et commençait à être connu dans la région. L'artiste, vraiment. Comportement, sa parole, sa guitare, toujours en bandoulière, souvent. Il parlait que de musique. Il montait des groupes, il faisait les jeunes répéter, il construisait. Tout le temps, en permanence musique. Il passait ses journées à parler que de musique. C'était sa passion, vraiment. Il jouait régulièrement à quelques kilomètres de là, dans un bar de Volpénil, le Jazz and Rock Café. Un bar musical avec juste derrière un grand terrain et une petite maison abandonnée. Jusqu'à ce qu'un jour, le couple qui cherchait un logement décide de s'installer sur le terrain. Un endroit tranquille, avec à quelques centaines de mètres, la Seine et ses péniches, un petit paradis. Il se trouve que ce terrain, à la suite d'un pataquès judiciaire, n'a plus de propriétaire. Donald et Stéphanie s'y installent en 91, construisent un cabanon et la fête commence. C'était pas une vie conventionnelle, quoi. Mais en même temps, j'aimais beaucoup parce que moi qui avais une vie très conventionnelle, c'est vrai que là-bas, c'était le rhum à toute heure, le zouk à fond. Et c'est vrai que c'était en même temps une ambiance très sympathique. Sympathique peut-être, mais pas pour les voisins. Quelques semaines après leur installation, Donald et Stéphanie reçoivent la visite d'un représentant de la mairie de Volpénil. J'arrive un peu monté parce que je suis un peu, vous savez, le grand justicier, les hors-la-loi et compagnie, et je tombe sur un couple calme, paisible, donc qui se présente. Donc c'est donc un guitariste, donc c'est un jeune homme fin, je dis, doux, et puis une jeune fille qui est là. Le représentant du maire leur explique qu'il ne faudrait pas qu'ils s'installent trop parce que le terrain vient de retrouver un propriétaire. Ce que je leur ai dit, moi, c'est que c'était du précaire et du provisoire, que nous, on n'avait pas qualité, évidemment, à faire la police, puisqu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, et on n'avait pas de droit de propriété. Mais je ne voulais pas non plus qu'ils rêvent, donc je leur ai dit, effectivement, l'état de la situation, et que cette situation-là, n'allait pas perdurer, et qu'il y aurait... Dans quelques années, si vous voulez, une récupération de la propriété. En attendant, Donald et Stéphanie sont tolérés, à condition de se faire discret et d'entretenir le terrain. En 1992, la famille s'agrandit. Naissance du petit Donald Junior. Un an plus tard, en 1993, deuxième enfant, une fille, Donatella. À chaque fois, les baptêmes donnent lieu à de grandes fêtes qui rassemblent la famille et les amis. Stéphanie et Donald n'ont pas beaucoup d'argent, mais leur porte est toujours grande ouverte. Ce terrain, c'est vraiment le paradis. Stéphanie, elle avait vécu en cité depuis toute petite et elle habitait à Montreuil. Et d'être dans le béton, tout ça, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc là, elle était heureuse de sa vie, quoi, en plein air, en pleine nature, avec ses enfants, c'est ce qu'elle voulait, quoi. Donc je sais qu'elle disait tout le temps, ça sera un beau cadeau qu'on fera à nos enfants. Parce qu'elle ne pensait pas à elle, mais à eux. Elle pensait plus à leurs enfants. C'est un cadeau qu'on leur fera. Qu'on ne pourrait peut-être pas faire si on n'avait pas trouvé ce terrain. «
Gilberte Crovisier, vous êtes la maman de Stéphanie. Comment est-ce que vous apercevez qu'ils ont disparu? Ça va arriver le 23 septembre. La maman de Donald va m'appeler, va me demander si les enfants sont à Montreuil. Et dès l'instant qu'elle va me parler qu'elle attend son fils depuis le mercredi 18 septembre, qu'il n'est pas venu la voir comme d'habitude, après tout va partir d'instinct. Et vous inquiétez de leur disparition? Et je m'inquiète tout de suite de leur disparition. Avaient-ils, l'un et l'autre, des raisons de partir avec les enfants sans rien dire? Pas du tout. Il y avait toujours quelqu'un à la maison, soit Donald ou soit Stéphanie. Et en tout état de cause, ils vous prévenaient toujours? Toujours, on était prévenus, on savait où ils allaient. 23 septembre 1995, ça fait une semaine que personne n'a de nouvelles de Donald et Stéphanie, disparus avec leurs enfants. En fait, personne n'a de nouvelles depuis le samedi 16 septembre. Et Stéphanie n'est pas allée travailler toute la semaine précédente au lycée de Melun, où elle est agent de service. Tout ça est très, très inquiétant. On s'appelait souvent, et puis là, d'un seul coup, j'avais plus de nouvelles. Et la veille, je crois que c'était la veille surtout, qu'elle a passé un coup de téléphone chez ma mère. Elle cherchait à tout prix à me joindre. Et elle avait quelque chose d'important à me dire. Donc bah, je l'ai rappelée dès le lendemain pour savoir ce qu'elle avait à me dire, en fait. Et c'est là que j'ai plus de nouvelles et j'ai rappelé plusieurs jours d'affilée. Et puis là, ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis demandé ce qui se passait. C'est sûr que toutes les personnes qui connaissaient ce couple-là ne pouvaient être qu'inquiets. Le vendredi, bien souvent, elle prenait les petits, la petite sur les épaules, le petit à la main, le gros sac de voyage, et elle partait à la gare chez sa maman. Elle serait jamais partie comme ça sans prévenir sa mère, c'est sûr, sûr, sûr. Du coup, tout le monde se met à échafauder des hypothèses. Et si Donald et Stéphanie étaient partis après une dispute? Elle a déjà eu des disputes avec Donald. Elle s'est déjà réfugiée chez moi en quelque sorte deux fois. Donc je me suis dit que c'était peut-être une fois de plus ou je sais pas, qu'il y avait quelque chose peut-être qui avait mal tourné. Bon, Donald n'est pas quelqu'un de méchant à la base, hein. Il est gentil, mais c'est peut-être sous l'effet de l'alcool aussi, comme ils aimaient bien boire de temps en temps, enfin assez souvent on va dire, quand ils faisaient la fête. Après c'est vrai que ça, des fois ça a dégénéré un peu. Gilberte Crovisier, les jours passent, vous n'avez toujours aucune nouvelle de votre fille, de son compagnon et des enfants. Cette situation vous inquiète? Dans l'entourage, on commence à parler d'une dispute entre eux. Est-ce que vous admettez l'idée qu'ils ont pu se disputer et qu'à la suite de cette dispute, ils sont partis? Ben, disons qu'au départ, si, de toute façon, j'ai pris parti de ma fille et j'ai pensé que Donald avait fait quelque chose à ma fille. Donc, c'était disputé et puis que ça tourne mal. Et je pense à ça au départ, parce que lorsque je commence à téléphoner aux amis de Stéphanie, là, les langues vont se délier et on va m'apprendre quand même certaines choses qui font pas plaisir aux parents, quand même. Genre? Du genre que Donald a poursuivi Stéphanie avec un coupe-coupe. Et je me suis posé toujours la question pourquoi la voiture, l'Alfa Romeo, avait eu le toit un peu cassé. Et là, j'ai la réponse. Il a donné un coup de coucou sur la voiture. Alors, bien évidemment, à ce moment-là, moi, ça me perturbe et ça m'angoisse. Et à un moment donné, vous n'êtes pas tenté de dire « ils ont disparu, c'est de sa faute », enfin... C'est-à-dire que Donald a pu enlever la famille, quoi. C'est un scénario possible. Moi, je pense que Stéphanie lui est arrivé quelque chose et que Donald, il est parti avec les enfants. Il se cache. Vous pensez que Donald a pu tuer Stéphanie? Je pense à ça, exactement. Le 25 septembre, 9 jours après la disparition, Gilberte Crovisier décide de passer à l'action. Elle se rend sur place. Elle veut absolument comprendre pourquoi sa fille ne donne plus de ses nouvelles depuis 10 jours. Mais arrivée à Melun, elle a peur d'aller toute seule sur le terrain. Elle demande à son fils Christophe et à sa nièce Nathalie de l'accompagner. Ils arrivent à Volpénil en début d'après-midi.
Les voitures de Donald et Stéphanie sont là, mais le cabanon est vide. On arrive, la maison est vide. Donc là, on casse une fenêtre, on passe par la fenêtre et on voit la maison. Il n'y avait personne. Et alors, moi, je sens un froid. Je sens d'humidité et un froid. J'ai l'impression qu'on passe des glaçons dans le dos. À l'intérieur du cabanon, rien n'a bougé. La famille semble avoir quitté les lieux en laissant tout sur place. Et là, je vais découvrir sur la salle de bain, il y a la carte orange de ma fille. Plus loin, il y a des médicaments qui sont posés, les couches par terre, les sacs par terre. C'est bizarre, toutes les affaires sont là, les jouets, les habits des enfants sont dans la chambre. Les bottes sont là, le manteau est là, la sacoche de ma cousine est là, la tétine est là, enfin, c'est-à-dire tout est là en fin de compte, sauf que eux ne sont pas là. Et la guitare en plein milieu du salon. La guitare que mon gendre aime le plus, qui est en plein milieu du salon. Alors ça nous reste, on reste perplexe. Il y a en effet de quoi être perplexe. Si la famille est partie, pourquoi Donald a-t-il laissé sa guitare? Gilberte, son fils Christophe et sa nièce Nathalie décident alors d'aller voir l'un des meilleurs copains de Donald, Roland. Il habite pas très loin. Il est le parrain de la petite Donatella. Et ce Roland va leur faire d'étranges confidences. S'ils sont sauvés, c'est à cause de la drogue, c'est à cause de la robe qu'ils sont sauvés. Alors moi, je lui dis, ah bon ? Il me dit, oui. Il a sauvé sa petite famille, il a mis sa petite famille à l'abri parce qu'il est suivi par une mafia de drogue. Alors moi, je sais que mon gendre, en tant que musicien, juste avant de partir sur scène, effectivement, il fume un joint. Bon, même si j'approuve pas, même il fume un joint, il prend un verre d'alcool et part sur scène comme ça. C'est point final, c'est tout. Mais de là à être poursuivi par une mafia de drogue, quand même, mon gendre, ça me paraît bizarre. La maman de Stéphanie ne croit pas à cette affaire de drogue. Et elle poursuit sa petite enquête. Et ce jour-là, avant de rentrer chez elle à Montreuil, elle décide, avec son fils Christophe et sa nièce Nathalie, de repasser par le terrain de Volpénil. Et là, surprise, il y a de la lumière dans le cabanon. Ouf, ils sont peut-être rentrés, mais non. On arrive à la maison, Christophe arrive en courant. Il est comme ça, épuisé, il n'en peut plus, il a du mal, il frappe à la porte et d'un seul coup, il voit un grand black capeuré. Et Christophe lui dit, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, effectivement, Edgar est là. Donc Edgar, un ami très proche de Donald, hein, que j'avais croisé 2-3 fois. Donc là, on lui pose des questions et il nous dit qu'un camion blanc serait venu chercher Stéphanie, Donald et les enfants. Et qu'il n'en connaît pas plus que ça, et qu'avant de partir, Donald lui a dit « Garde la maison, mes instruments, enfin... » Donc voilà pourquoi ce monsieur vit dans la maison de ma cousine, de Donald et des enfants. Cet Edgar Boulet, est un copain martiniquais de Donald. Il explique qu'il était là, le 17 septembre, quand au retour de la fête de l'Huma, Donald et Stéphanie se sont disputés. Et il raconte qu'ensuite, ils sont partis précipitamment, avec des inconnus, dans une camionnette blanche, en emportant un matelas. Edgar ajoute que toute la famille portait des vêtements neufs. On lui dit, mais qui sont ces gens-là? Comment c'est arrivé? Mais d'où ils se connaissent, mais comment Stéphanie va quitter sa maison alors qu'elle a un travail, partir avec 2 petits, ne rien emmener, pour partir où, on ne sait pas. Si vous le voulez, revenons sur cet Edgar. C'est le copain de votre gendre qui occupe la maison.
Vous le connaissiez, Edgar ? Edgar, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais jamais vu Edgar. T'étais pas un véritable ami de Donald et de votre fille ? Non, pas du tout. C'était un ami au parrain. À... Un ami du parrain d'un des gamins, voilà, c'est ça ? C'est ça. Donc assez éloigné. Assez éloigné. Ce qui fait qu'il n'est pas vraiment logique qu'il occupe la maison en leur absence. Voilà. Il n'a rien à faire là. Il est tout seul, Edgar Boulet, quand il vous reçoit comme ça, du bout des lèvres ? Non, Edgar n'est pas seul. Il y a une femme qui est présente à ce moment-là. Je ne connais pas son identité. C'est une jeune femme d'une quarantaine d'années, blonde, et qui approuve tout ce que dit Edgar, mais elle ne se présente pas. À un moment donné, je suppose en présence de cette jeune femme, il va changer un peu de ton, hein, Edgar Boulet. C'est-à-dire qu'il va s'énerver un peu à votre rencontre. Enfin, vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. Il est chez lui. Enfin, presque. Et oui, voilà, il est chez lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le droit d'être là. On ne doit pas venir ici, et puis c'est dangereux. Si on vient, et quand, si on ne le prévient pas, ça peut devenir menaçant pour nous. Gilberte et sa famille ne croient pas ce que leur raconte cet Edgar. D'abord, Stéphanie venait de retrouver un travail. Pourquoi alors aurait-elle tout quitté du jour au lendemain ? Et puis elle est partie en oubliant les médicaments que Donatella prenait pour soigner son eczéma. Gilberte Crovisier se rend aussitôt au commissariat de Melun pour signaler la disparition de sa famille. Gilberte Crovisier, comment est-ce que ça se passe quand vous allez signaler la disparition de toute la famille au commissariat de Melun ? La policière qui se trouve à l'accueil va me dire que mes enfants, s'ils ont disparu, ils ont le droit, ils sont majeurs et vaccinés, ils ont le droit de partir quand ils veulent. Et je lui dis, mais quand même, mes petits-enfants ont disparu également. Elle me dit, oh, mais c'est pas grave, si vos enfants, ils sont avec les petits-enfants, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas en danger. Mais je ne peux rien faire pour vous. Et donc là, ça se termine par quoi ? Par une simple inscription dans un fichier, c'est ça ? Voilà, elle me dit, oh, bah, écoutez, si vous pouvez faire quelque chose pour votre fille. Vous allez donc en préfecture et vous faites une RIF, la recherche dans l'intérêt des familles. Une recherche dans l'intérêt des familles. Gilberte Crovisier le sait, cette procédure ne permet pas l'ouverture d'une enquête. La mère de Stéphanie cherche alors d'autres solutions pour faire bouger la justice. Elle écrit au procureur de la République de Melun. Monsieur le procureur de la République de Seine-et-Marne, je viens solliciter auprès de votre haute bienveillance au sujet de ma fille. C'est très grave ce qui s'est passé le 17 septembre 1995. Si je n'ai pas de nouvelles, c'est qu'elle est en danger. Monsieur le procureur, n'y a-t-il pas un autre moyen ou procédure judiciaire à entamer pour que des recherches très sérieuses soient faites avant qu'il ne soit trop tard et que tout bascule dans l'horreur ? Cette lettre sera classée sans suite par le parquet de Melun. Gilberte Crovisier ne recevra jamais de réponse. Peu importe qu'un homme occupe le domicile de Donald et Stéphanie, ni la police, ni la justice ne trouvent ça inquiétant. Et à l'école où le petit Donald est scolarisé, et à la mairie de Volpénil, on ne s'inquiète pas non plus. C'est une famille qui bouge, qui s'en va, et la police dit, bah, non, ne vous soutiez pas, ils sont partis, etc. Circuler, il n'y a pas photo. Pour l'école, le problème est réglé, bon, puisque honnêtement, c'est difficile de se substituer à la police. On va pas faire l'éducation nationale ne va pas faire des recherches sur des enfants qui sont partis avec les parents. Et comme le dernier à les avoir vus est Edgar Boulet, alors régulièrement, les familles se rendent sur le terrain pour voir s'il y a du nouveau. Je suis repassé tout seul, je suis passé avec des copains. J'y allais en disant, tiens, il a dû revenir. Et chaque fois qu'on passait, c'était non, ben non, on n'a pas de nouvelles. Ça se trouve, maintenant, il est dans une secte. Il y a eu un problème, il a eu un truc dans sa vie qui fait qu'il se cache. Elle me dit, de toute façon, si Donald y revient là, bon, moi, personnellement, à mon avis, il faut qu'il aille habiter là-bas, parce que moi, maintenant, j'ai fait passer l'eau, c'est moi qui m'occupe de tout, maintenant, je ne vais pas m'occuper de tout, et puis lui, il arrive,
perplexe, je lui dis, mais quand même, attends, il t'a hébergé, il t'a donné à surveiller, c'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, Edgar Boulet a pris l'initiative d'installer une arrivée d'eau sur le terrain. Il se comporte comme s'il était chez lui. Il nourrit les poules, il a même mis son nom sur la boîte aux lettres. Alors que renseignement pris, ça n'était pas vraiment un ami intime. Et d'ailleurs, Stéphanie ne l'aimait pas beaucoup. Stéphanie avait peur de lui, déjà. Elle me l'avait dit. Et je pense que Donald, il en était conscient quand même. Et c'est pour ça que ça m'a surpris après la version comme quoi il l'aurait laissé venir habiter là ou mettre ses meubles chez lui. Parce que je me suis dit que c'était pas possible. Donald, il lui faisait pas confiance, même au niveau de sa femme, même au niveau de Stéphanie. Il l'aurait pas laissé seul avec Stéphanie. Car cet Edgar est alcoolique, bagarreur. Il traîne une sale réputation. Moi, je l'avais déjà vu à un anniversaire de Donald. J'avais d'ailleurs dansé un peu avec lui. Et déjà là, j'avais senti un rapport de force, quoi. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il m'a prise comme ça. Non, on continue. Donc, déjà là, il m'inquiétait, quoi. Petit à petit, tout le monde devient de plus en plus méfiant à l'égard de Boulet. À commencer par ceux qui habitent tout près du terrain. Il vient voir mon ami, il vient juste au bas de la porte. Parce que bon, on ne fait pas rentrer, bien sûr. Enfin, moi, je ne veux pas le faire rentrer. Il demande de l'emmener à Bois-le-Roi. Pendant tout le trajet de la route jusqu'à Bois-le-Roi, pourtant, ce n'est pas très long. Vous le pénible Bois-le-Roi, ça se fait facilement. J'étais complètement stressée, quoi. J'étais là dans mon rétro, je regardais ce qu'il faisait, parce que je ne sentais pas dès le début. Et plus tout le monde se méfie de cet Edgar Boulet, plus il cherche à faire ami-ami. Il passait ou levait la tête comme ça, parce qu'il y avait un grillage, en fait. Et des fois, on jouait au ballon avec les enfants. Alors, il passait, et qu'est-ce que vous faites? Enfin, il essayait de parler à mon ami, puisque moi, c'était pratiquement impossible. Mais bon, il essaye quand même de nous parler, de savoir... Pourquoi on demande des nouvelles de Donald et Stéphanie, mais ça, il ne démordait pas, par contre. Tout ça est très inquiétant. Ça inquiète toujours pas la police? Pas du tout, ils s'en moquent bien. Vous y retournez au commissariat? Non, je ne retourne pas au commissariat de Melun, puisque c'est terminé. Je vais retourner simplement à la brigade des mineurs de Montreuil. Pour signaler la disparition des enfants. Parce que autant un adulte a le droit de disparaître, autant les enfants, non. Non. Je vais avoir un OPJ anonyme qui va être très désagréable avec moi, qui va me dire, écoutez, madame, vous faites partie des grand-mères emmerdeuses qui essayent d'avoir les enfants quand les parents divorcent. Je lui dis, mais non, moi, je veux voir mes petits-enfants. Il y a une loi qui existe et je veux que cette loi soit appliquée pour que je puisse revoir mes petits-enfants. Et là, il me dit, mais madame, cette loi n'existe qu'au cinéma. Mais ça n'empêche pas Gilberte Crovisier de poursuivre son enquête. Un peu comme un détective privé. Elle, la maman de Stéphanie. Et puisque cette affaire n'intéresse pas la police, alors Gilberte Crovisier décide d'alerter la presse. Elle nous dit qu'elle n'a plus de nouvelles de sa famille et surtout elle témoigne de l'impossibilité pour elle, dans son esprit, à ce que sa fille ne donne pas de nouvelles. Sa fille ne peut pas disparaître comme ça. Alors nous qui sommes journalistes et interlocuteurs, on n'est pas forcément... On ne saisit pas, si vous voulez, ce que ça veut vraiment dire. Pour nous, ça reste... une famille qui est peut-être partie en vacances, qui est peut-être partie en voyage, qui a peut-être choisi de déménager brutalement. On essaye de savoir quelle est vraiment la
la nature de la disparition. Donc bah, les premiers vers qui on se tourne, c'est la justice, c'est le parquet. Et comme la justice et la police, à ce moment-là, au moins en version officielle, c'était de dire ils sont partis volontairement, ils avaient le droit, ce sont, les parents étaient majeurs, ils ont emmené leurs enfants avec eux, ils avaient le droit. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a tout simplement pas d'intérêt. On est sans doute sur un différend familial, on ne va pas s'occuper des potins mille misères des familles de Seine-et-Marne, ce n'est pas ça l'objectif. Au niveau de la presse aussi, les portes se ferment. Je ne comprends pas que cette histoire n'ait intéressé personne et que personne se pose des questions. Bon, nous, c'est clair, on était la famille proche, mais même la justice, même, je ne sais pas, c'est une histoire qui n'est pas normale. Hein. On ne comprend pas, moi je ne comprends pas. Une justice sourde, une presse que ça n'intéresse pas, Gilberte Crovisier n'a plus qu'une seule solution. Placarder dans les rues de Melun des affichettes. Et certains amis du couple s'en remettent à l'irrationnel. Le seul recours que je trouve, c'est d'aller voir le frère d'une amie à ma sœur qui fait un peu de voyance. Donc, je le connais pas spécialement à la base, mais j'y vais quand même avec une photo de Stéphanie. Je tente le tout pour le tout. Et en fait, il me décrit le lieu de vie de Stéphanie, quoi. Il me décrit les deux maisons, la forêt derrière. Et il me dit surtout... Je vois un grand noir, sa mère aurait mieux fait de ne pas le mettre au monde. Donc avec la simple photo d'identité de Stéphanie. Sylvie est troublée par les réponses du voyant. Il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé, je vois du sang sur les murs, je vois comme un groupe. Il me dit, je ne sais pas si c'est une secte, je vois plusieurs personnes. Et en tout cas, je vois des poules et du sang sur les murs. Donc là, moi, en plus, en ayant été chez Stéphanie, en sachant qu'ils élevaient des poules avant, etc., je me suis dit, c'est pareil, c'est quand même bizarre, cette coïncidence. Sylvie prend les paroles du médium pour argent comptant. Alors, elle le prend par le bras et l'amène sur place, sur le terrain de Volpénil. Et arrivé sur les lieux, donc on avance, et là, je vois Edgar. Donc, comme je l'avais déjà vu auparavant, je fais comme si de rien n'était, je lui dis, voilà, je viens voir si t'as des nouvelles de Stéphanie. Et là, il me dit, non, j'ai pas de nouvelles. De toute façon, je crois qu'ils reviendront pas. Et le voyant qui me faisait des signes qu'il fallait qu'on parte au plus vite, quoi. Plus ça allait, il me dit, j'ai mal au ventre, c'est quelqu'un, cette personne-là a déjà tué. Et du coup, le téléphone a sonné et on en a profité. Pour partir assez rapidement, quoi. Cette personne-là a déjà tué. Parole de voyant. Fin juin 96, cela fait 9 mois que la famille Davila a disparu. Gilberte Crovisier se rend une nouvelle fois sur place. Et sur place, surprise. Les voitures de Donald et Stéphanie ont disparu. Je lui demande ce qui s'est passé, puis il me dit, ben, les voitures, elles me dérangeaient, elles pourrissaient, donc je les ai vendues à la casse. Et alors, à ce moment-là, je me suis énervée. Moi, j'ai jamais eu peur de boulet. Donc, je commence à m'énerver et je lui dis, nous, les parents, nous n'avons pas le droit de toucher aux affaires de nos enfants. Les voitures, en plus, c'est son papa qui a acheté des voitures à Stéphanie. Tu n'as pas le droit de vendre ces voitures. Tu vas voir comment que ça va se passer. Et Boulet, ce jour-là, il est ivre. Il a les yeux rouges. Il me regarde d'une certaine façon. Et il est temps qu'on parte ce jour-là. Et je vais prendre conscience ce jour-là de quelque chose. C'est-à-dire ? Ça m'a fait très peur, mais j'ai eu des frissons. Et j'ai senti comme si quelqu'un essayait de m'attraper avec mon t-shirt et de me dire, regarde derrière la maison, Pierre, viens. Je sentais qu'on me tirait. Et j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. J'ai vu des poules noires dans le poulailler
et j'ai vu des monticules de terre à la place du potager. Et je suis rentrée dans la voiture, je me suis effondrée et arrivée à Paris, j'ai commencé à dire à mon compagnon, Stéphanie, elle est morte, elle est enterrée sous des planches, elle est sur le terrain. À partir du moment où vous avez acquis cette conviction que votre fille a été assassinée, mais qu'elle est enterrée là, parce que vous en êtes quasiment certaine à ce moment-là. J'en suis certaine. Donc vous allez ensuite au tribunal de grande instance de Bobigny, toujours en vous accrochant à cette histoire de voiture. D'ailleurs, pourquoi ? Vous vous dites, si j'ai pas pu les intéresser à la disparition, je vais les intéresser au vol de la voiture, c'est ça ? À ce moment-là, je pense pas trop, mais effectivement, oui, au moins, ça, on va faire quelque chose avec la voiture. Donc, je porte plainte pour vol de véhicule et disparition de majeurs et de mineurs. Et donc, elle est enregistrée le 25 juin 1996 au TGI de Bobigny. Et à partir de ce moment-là, ça va partir à Melun. Enfin. Enfin. Donc, l'enquête est ouverte à cause du vol des véhicules et non pas de la disparition des enfants et des petits-enfants. Pierre-Jean Gory, à l'époque, vous êtes sur le point de devenir procureur adjoint à Melun, mais vous êtes substitut dans ce parquet. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'on ait mis 9 mois à ouvrir une enquête sur la disparition de toute une famille ? Moi, je compte pas 9 mois parce que j'ai eu connaissance de cette affaire et de son côté judiciaire à partir du mois de juin 96. Reconnaissez quand même qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette affaire. Entre le moment où on n'a plus de nouvelles d'un père, une mère et leurs 2 enfants et le moment, 9 mois plus tard, où on ouvre une instruction. C'est évident, il y a eu du temps qui est passé, mais il est vrai aussi que peut-être le système est-il mal adapté, puisque dans un premier temps, c'était dans le cadre de recherches dans l'intérêt des familles que les recherches s'effectuaient, et il me semble qu'au départ, la première démarche avait été faite à la préfecture de Bobigny. Donc, nous, sur le parquet de Melun, on ignorait tout de cette situation. Cette fois enfin, les policiers s'intéressent à l'affaire et découvrent que Donald, Stéphanie et leurs enfants n'ont donné aucun signe de vie depuis maintenant 9 mois. Et qu'Edgar Boulet occupe leur domicile depuis tout ce temps. Et c'est vrai que les perspectives d'emblée sont très très bizarres. Quelqu'un habite au domicile de ces gens. Sans expliquer réellement pourquoi ils sont partis, ni où ils sont partis, d'ailleurs. Les policiers interrogent tous ceux qui sont passés sur le terrain depuis la disparition. Et en recoupant toutes leurs déclarations, ils découvrent qu'Edgar Boulet a donné à chacun une version différente. Il a varié, en fait, au fur et à mesure des gens qu'il a vus, il a varié sur cette version. Alors, une voiture blanche, un camion blanc. Une dispute avec Stéphanie, pas de dispute avec Stéphanie. On a l'impression qu'il a, ça c'est beaucoup plus tardif, qu'il a mis au point une version finale qui sera celle qui nous opposera. Cette version, c'est le départ de la famille à bord d'une camionnette blanche. La famille qui emporte un matelas et Donald qui confie les clés à Edgar Boulet. Dominique Rizet, dites-nous en plus sur Edgar Boulet. Bien, Christophe, il a 40 ans. Il est né en 1956 en Martinique. Son père était charpentier, c'est un bon père. Sa mère était femme de ménage, c'est une bonne mère. Ils ont eu 7 enfants et Edgar, c'est le 3e. Il reste à l'école jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans. À l'époque, il va dans des classes de transition. Donc il est en échec scolaire. Il est en échec scolaire et il va faire ensuite des petits boulots. Il va travailler dans les champs, faire le maçon, faire le plombier. Et à 19 ans, il vient en métropole pour faire son service national. Et il va rester ensuite en métropole. Il va se marier, il aura 2 femmes, il aura 2 enfants. Et il y a une récurrence dans sa vie, c'est l'instabilité. Il est instable dans son travail, il change beaucoup de job, souvent. Il est instable sentimentalement, il change de femme, et de toute façon, il a constamment des maîtresses. Et puis, il est, pour reprendre la formule consacrée, connu, bien connu, des services de police. Qui sont les services de police, de gendarmerie et aussi les services judiciaires, les services en général. Alors, dans l'éventail des choses qui figurent dans son casier judiciaire, il y a des violences conjugales. L'une de ses femmes est quand même tombée par la fenêtre, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées.
Donc ça va des violences conjugales aux troubles de voisinage, en passant par la bagarre à coups de tesson de bouteille, le vol, recel de vol, accident avec délit de fuite, outrage, rébellion, attentat à la pudeur, avec violence, violence et insultes. Et dans toutes ces affaires, Christophe, il y a un point commun. Ça n'est jamais lui. Il n'est jamais responsable. Et quand il est pris quand même en flagrant délit, eh bien ça n'est pas de sa faute, c'est toujours de la faute de l'autre. Sa version, c'est toujours la même. Soit il est innocent, soit il est victime d'une machination. Voilà qui est Edgar Boulay, voilà l'oiseau. Les policiers décident alors de perquisitionner le terrain en présence d'Edgar Boulay. Mais pour cela, ils doivent d'abord se rendre à la maison d'arrêt de Melun. Edgar Boulay a en effet été arrêté et incarcéré quelques semaines plus tôt pour conduite en état d'ivresse. Il est extrait de sa cellule et conduit à Volpénil. Devant lui, les policiers explorent minutieusement chaque partie du terrain. Et tout d'abord, le cabanon. On voit des choses qui, après, prennent leur sens. C'est-à-dire qu'on voit des petits pots sur la fenêtre de la cuisine, des petits pots qui, en l'occurrence, étaient moisis, je crois. Donc c'est vrai que ça, sur le coup, ça n'a pas de sens. Pourquoi des petits pots pour un homme qui n'a pas d'enfant ? C'est pas très cohérent. Et là aussi, on l'aperçoit, on le note mentalement, sans y accorder une importance véritable. Pourquoi, en effet, des petits pots de bébé dans une maison sans enfant ? Alors que les policiers contournent l'autre bâtiment, Edgar Boulay a un comportement étrange. Il est mal à l'aise. Et lorsqu'on arrive sur la face arrière du bâtiment en dur, là où il y a le plus de gravats, de détritus, on passe donc près de la porte. Et un petit peu après, donc ma collègue me dit, lorsqu'on est passé à cet endroit-là, il s'est décomposé. Il a vraiment changé de couleur, comme s'il y avait une gêne particulière. Alors qu'il n'y a aucun élément visible en ce qui nous concerne qui laisse à penser qu'il y a une chose qui aurait pu provoquer ça. Pourquoi Edgar Boulay s'est-il senti gêné à l'arrière de la maison en pierre ? Maintenant, les policiers sont à l'intérieur du cabanon. La police scientifique trouve des traces brunâtres séchées, correspondent donc certainement à du sang. Donc le sang en séchant devient effectivement brun-brunâtre. Ça correspond à l'idée effectivement d'une hémorragie. Boulay dit que c'est lui qui s'est coupé. Pourquoi pas, vu l'état de la propreté, c'était même presque crédible. En revanche, le fait qu'un morceau de moquette manque est très inquiétant, qu'on ait retapissé aussi et repeint aussi. On a l'impression qu'un camouflage de l'endroit s'est produit. De la moquette en moins, de la peinture en plus. Et si on avait voulu camoufler des traces de sang ? Et si la famille Davila avait été assassinée ? Ici. La perquisition n'apporte rien de concret, mais elle a permis aux policiers de se faire une impression. Ils ont flairé le drame et flairé un coupable, Edgar Boulay. Désormais, ils l'ont dans le viseur et vont enquêter sur sa vie avant et après les disparitions. En interrogeant les voisins, les enquêteurs apprennent qu'Edgar Boulay entretient une relation avec une femme qu'il fréquente depuis plusieurs années. On se rend compte qu'il fréquente une personne qui n'est pas du tout du même monde, mais du même monde que lui. Une personne dont on peut se dire d'ailleurs qu'elle n'a aucune raison d'être avec lui. C'est une femme qui est médecin, qui a rencontré Edgar Boulay et qui est devenue sa maîtresse. Edgar Boulay fréquente cette femme depuis 6 ans. Ils se sont rencontrés alors qu'elle soignait son ex-compagne. Et depuis, on l'a vu régulièrement sur le terrain, avant et après la disparition des Davila. C'est une dame qui fréquente ce type qui est presque un bon à rien, sans vouloir davantage insister sur le sujet. On ne voit pas ce que ces deux personnes ont à faire ensemble. Quelques jours après leur perquisition, les policiers convoquent la maîtresse d'Edgar Boulay. Ils veulent savoir si elle était avec son amant les 16 et 17 septembre 1995, le week-end de la disparition. Le médecin leur explique qu'elle était bien là, avec Boulay, et leur confirme la version de son amant. Le départ de la famille à la fête de l'Huma, le retour, puis le départ en camionnette blanche, et Donald qui laisse les clés de la maison à Edgar. Mais les policiers la soupçonnent d'en savoir plus, et d'un coup, elle craque.
Dominique Rizet, en plein interrogatoire, la maîtresse d'Edgar Boulet craque. Qu'est-ce qu'elle dit aux policiers? Elle craque et elle leur dit « Bon voilà, ce matin, j'ai reçu une lettre d'Edgar Boulet, il est en prison. Hein. » Alors la lettre, elle est sortie, on ne sait pas comment. « J'ai reçu une lettre d'Edgar Boulet dans laquelle il m'a demandé de donner, pendant que vous m'entendrez, la même version que celle qu'il vous a donnée. » Imaginez la tête du flic qui entend la maîtresse d'Edgar Boulet. Il dit « Mais elle est où cette lettre ?» Alors elle lui dit, je l'ai déchiré. Mais vous l'avez mise où? Je l'ai déchiré et je l'ai jeté dans une poubelle. Où? Dans la rue, devant une boulangerie. Et ce jour-là, Christophe, le dieu de la police, il est à Melun. Parce que les enquêteurs, ils prennent leur voiture, ils vont sur place, ils retrouvent la poubelle. Dans la poubelle, il y a la lettre, découpée en petits morceaux. Ils récupèrent tous les morceaux, ils reconstituent la lettre. Et nous, cette lettre, on l'a ici. Voilà. C'est une lettre de 3 pages. Voilà. C'est la farandole des fautes d'orthographe. C'est un peu difficile à comprendre. Donc, pour vous dire ce qu'il y a dedans, je vais me référer au procès-verbal. Hein. Alors, la première page, il lui parle d'amour. « Je t'aime, tu me manques. » Voilà. Deuxième et troisième page, il lui parle de l'affaire. Et il lui dit « Les policiers pensent que je sais quelque chose et que je ne veux rien dire. » Ils cherchent des cadavres. Ils m'ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu, mais il y en a une qui me chagrine, celle du matelas. Ah oui, ce fameux matelas dont il dit que Donald, sa femme et les enfants l'ont emporté. Exactement. Et ça, ça le préoccupe vraiment. Il veut qu'elle donne, que sa maîtresse donne aux policiers une version bien précise. Et il lui explique, tu vas leur dire ce qui est souligné dans ma lettre. Voilà ce que tu vas leur dire. Tu vas leur dire que j'ai passé le week-end avec toi dans la maison de Donald, qu'il n'y avait pas de matelas, évidemment, puisque Donald était parti avec le dimanche. Hein. On a dormi sur le sommier, et tu vas dire aux policiers que c'est après seulement que j'ai pris mon matelas et que je l'ai mis sur le sommier. Et il termine sa lettre en lui disant « Cette histoire me fait peur, peur. » Le mot est écrit 2 fois. Alors voilà, Christophe. Edgar Boulet, il a bien quelque chose à cacher à la police, et c'est pour ça quelque chose de suffisamment grave pour demander à sa maîtresse de lui fournir un alibi. La maîtresse d'Edgar Boulet est placée en garde à vue. On lui demande où elle a passé la nuit du 16 au 17 septembre 1995. Elle confirme qu'elle était bien avec Boulet, mais qu'il l'avait séquestrée dans le cabanon de Donald. Elle donne des détails. Elle affirme qu'elle était allongée sur le lit, puis qu'elle s'est assoupie jusqu'au moment où elle s'est réveillée en sursaut. Elle déclare que sa nuit a été coupée par un affreux cauchemar. Cauchemar qu'elle détaille puisqu'elle dit que c'est quelque chose de très prenant. Elle dit que comme des hurlements de bêtes l'ont réveillée, des hurlements de bêtes qu'on égorgerait. Des cris de bêtes qu'on égorgerait. Des cris horribles. Et elle ajoute qu'elle a entendu ces cris plusieurs fois, saccadés, inhabituels et inquiétants. Et lorsqu'elle dit ça, pour nous, c'est forcément encore plus inquiétant parce qu'on a l'impression qu'elle essaie de nous dire qu'il s'est passé quelque chose sans pouvoir le dire. C'est un aveu qui n'a pas cette forme-là, l'aveu qu'elle a parfaitement entendu que Boulet avait fait un soir à la famille d'Avila. Maintenant, les policiers sont quasiment certains que Donald, Stéphanie et les enfants ont été assassinés. Mais la maîtresse de Boulet ne prononcera jamais le mot. Elle dit qu'elle s'est rendormie après avoir entendu ces cris horribles et qu'elle a quitté le terrain le lendemain matin sans revoir son amant. Avant la fin de sa garde à vue, elle fait une dernière déclaration. Elle pense que les corps ont été enterrés sur le terrain à Volpénil. Les policiers organisent immédiatement une fouille. Étant convaincu qu'il a tué les gens et qu'ils ne peuvent être que sur place ou aux abords immédiats, puisqu'il n'avait pas de véhicule a priori pour transporter 4 corps. Imaginez 4 corps, même pour un policier, je veux dire que c'est pas évident d'imaginer comment transporter 4 cadavres de manière discrète. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus légitime de penser qu'ils ont été enterrés sur place ou cachés à proximité. Cette fois, Edgar Boulet n'est pas présent. Les policiers ont réquisitionné une pelleteuse. Ils font creuser là où Edgar Boulet avait blêmi pendant la première perquisition.
c'est-à-dire à l'arrière de la maison en pierre, près du tas de gravats. L'endroit est à l'abri des regards indiscrets, à la surface, sous les détritus, première découverte. On s'aperçoit qu'il y a une quantité surprenante d'ossements qu'on attribue à des ossements de poulet. Il y a des pattes de poules notamment. Et c'est assez curieux de voir qu'ils sont en tel nombre. On a l'impression qu'un nombre inquiétant de poules ont été tuées sur cet endroit-là, justement. Des ossements de poules. Étonnant, ça. Mais l'urgence pour l'instant, c'est de retrouver les corps. L'opérateur très, très délicat de la pelleteuse va d'abord chasser la terre sur le côté et commencer à travailler au godet. Et à un moment donné, une de mes collègues remarque un éclat doré dans les gravats qui sont exhumés. Et c'est une chaîne de coups, c'est celle d'un des enfants. Donc là, on arrête les opérations avec la pelleteuse. On vide à la main le contenu du godet, qui révèle une sorte de... un magma de choses organiques, qui sont probablement les restes de l'enfant en bas âge. Puis apparaît le corps du petit Donald, qui gît à côté de celui de sa sœur. Et enfin, le corps des deux parents. Et donc là, on a une scène qui est extrêmement pénible à voir. On a toute la literie fine, tous les draps, qui ont absorbé la forme des corps. Et donc on voit très très bien les corps dessinés par les draps. On voit deux corps côte à côte, ceux des adultes, et on a en partie, qui je crois était d'ailleurs hors du champ des draps, le petit Donald. Jusqu'au sentiment, lorsqu'on va retirer le drap, que Donald enlace Stéphanie. Ouais. Ils sont côte à côte, ils sont là, tous ensemble. Au-dessus des corps, le fameux matelas. Ce matelas dont Boulet disait qu'il l'avait emmené avec eux dans la camionnette blanche. Gilberte, le 23 septembre 1996, donc un an après la disparition de votre fille et de sa famille, on vous convoque au commissariat. Pour vous dire quoi? Pour me dire qu'on a retrouvé les enfants. Vous pensez que la nouvelle sera bonne? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Et à ce moment-là, donc le lieutenant en police me dit Madame Crovisier, on les a retrouvés. Mais ils ont été tous assassinés. À ce moment-là, je suis soulagée, mais... j'ai très mal. Je suis soulagée qu'on l'ait retrouvée, mais je suis très mal. Et donc, elle va me montrer une chaîne avec une médaille à la Vierge, et elle me dit, est-ce que vous reconnaissez la Vierge? Je lui dis, oui, c'est la médaille de ma petite Donatella. Après, elle va me montrer un bracelet en tissu bleu avec des petites perles. Elle me dit, est-ce que vous le reconnaissez? Je lui dis, oui. C'est Stéphanie qui l'avait à son pied droit. Et des bagues, je lui dis oui, c'est Donald, il portait ces bagues-là. Et donc j'ai reconnu les affaires des enfants. Et il vous a fallu accepter qu'ils avaient été assassinés et qu'ils étaient morts. Oui. La fin d'un terrible mystère à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, près de Melun. Il aura fallu attendre la découverte des corps de Donald, Stéphanie et de leurs enfants pour que la presse s'intéresse à l'affaire. La première chose, c'est un peu d'écœurement, quoi. Et puis après, on se dit, et merde, Gilberte avait raison et on l'a pas cru. Les policiers ont trouvé les corps d'un couple et de leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans. Que ne l'a-t-on pas écouté davantage, cette dame ? L'impression, oui, d'avoir manqué quelque chose. Et donc, il y a un peu un sentiment de se dire... elle cherchait de l'aide et on ne lui en a pas apporté tout de suite.
Donc il y a aussi un peu ce sentiment-là, quoi, qui déborde complètement l'aspect professionnel. Mais on se dit, voilà, Gilberte avait raison et on ne l'a pas cru. Edgar Boulay est mis en examen pour l'assassinat de Donald, de Stéphanie et de leurs deux enfants. Mais depuis sa prison, il nie. Il refuse donc de donner des explications sur le déroulement des faits. Et les explications, les policiers vont donc devoir les chercher eux-mêmes. Les blessures constatées par le médecin légiste nous renseignent un petit peu sur le déroulement probable ou possible des faits. Il y a davantage de sang dans les poumons de Donald, ce qui indiquerait, je crois, une mort couchée, en position couchée, tandis que Stéphanie présente des plaies au cou et au flanc, qui laisse plutôt à penser à des coups portés lorsqu'elle était en station verticale. Donald a sans doute été tué alors qu'il était couché dans la chambre, ce qui explique qu'on ait découpé la moquette autour du lit pour camoufler des traces de sang. Et si Stéphanie est blessée au flanc, c'est peut-être parce qu'elle a voulu se défendre. Quant à l'arme du crime, les légistes sont formels. On va apprendre que c'est une arme tranchante massive qui est à l'origine de la mort des parents. Et une arme tranchante massive, ça nous ramène à un objet dont on sait que Boulay l'avait possédé, à savoir un coupe-coupe, qui est une arme emblématique pour les Antillais. C'est l'objet traditionnel. Et ce qui nous ramène naturellement encore vers Boulay. L'objet utilisé est un objet dont Boulay était familier. Et ça, la maîtresse de Boulay en a parlé. Elle a dit aux policiers que son amant détenait un coupe-coupe avec une lame d'environ 30 cm. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Il faut maintenant reconstituer le déroulement des faits. Le samedi 16 septembre, en fin de journée, des voisins entendent une dispute entre deux hommes. Vraisemblablement entre Donald et Edgar Boulay. Ils avaient beaucoup bu, ils étaient chauds, disent des témoins. Un peu avant 20h, tout le monde en tout cas était encore vivant. On les a vus sur le terrain alors que la nuit se mettait à tomber. Que s'est-il passé ensuite? Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Le lendemain, Roland, l'ami commun de Donald et d'Edgar Boulay, passe sur le terrain. Il arrive vers 14h et n'y trouve que Boulay. Roland dit que ce jour-là, Boulay était terrorisé et qu'il lui a confié avoir fait une grosse connerie. Et c'est là que Boulay a demandé à Roland s'il connaissait quelqu'un qui fait du vaudou. Ça peut révéler justement là aussi qu'il a bien commis les faits, qu'il a besoin de consulter un gourou, comme ça pourrait être peut-être un prêtre chez nous, peut-être pour sa rédemption, ou en tout cas pour savoir ce que maintenant il doit faire pour rester, pour ne pas être, perturbé par ce qu'il a commis. C'est confirmé. Edgar Boulay a tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec un prêtre vaudou, un certain Wilfried Catil, un Haïtien qu'il avait rencontré en prison. Il a présenté en disant bah, « Tiens, je vous présente, c'est quelqu'un qui était en cellule avec moi, qui a fait fleurir un peu avec moi. » Et ce jour-là, il y avait eu un truc aussi, il avait dit... Il fait un travail pour moi, au pays, quoi. On dit un peu ce qui croit à tout ce qui est vaudou, sorcellerie, quoi. Donc, jeter des sorts. Alors, bah, il y croyait beaucoup, lui. C'est incontestablement quelque chose auquel il croit. C'est quelque chose qu'il craint. Et cette magie noire, hein, parce qu'on est quand même sur ce registre-là, le fascine. Il accepte de le dire et l'impressionne. Le vaudou, un culte pratiqué aux Antilles. Un rite occulte où l'on pratique le sacrifice de volailles
lors de certaines cérémonies. Ce qui pourrait expliquer la présence de pattes de poulet sur les corps de Donald, Stéphanie et des enfants. Le sacrifice des volailles est un truc habituel dans le vaudou. Donc on peut se dire qu'ayant été conseillé par Catil, ou en tout cas obtenu les bonnes indications, il aurait sacrifié peut-être des animaux pour sacrifier, sanctifier le site. Je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer. Et on peut aussi voir dans l'idée du vaudou la raison de la présence des petits pots sur la cuisine, qui de manière peut-être purement livresque servirait à nourrir l'âme des défunts ou des enfants. Des petits pots pour nourrir l'âme du petit Donald et de Donatella et pour ne pas être persécutés par leurs esprits. Ces fameux petits pots que les enquêteurs avaient remarqués lors de leur toute première perquisition et qui prennent maintenant tout leur sens. À chacun de ces interrogatoires, Edgar Boulet se tait. Sa compagne, le médecin, est mise en examen pour non-dénonciation de crime et destruction de preuves. Elle est incarcérée. L'enquête s'intéresse à leur relation passionnelle, mais rythmée par de nombreuses ruptures. Elle dit qu'elle était fascinée par Edgar. Elle a eu un mot qui, moi, m'a profondément choquée et qui résume le mode de fonctionnement de la compagne de Boulet. Elle a dit sur lui, il est ma négritude. En disant ça, je trouve que ça résume parfaitement ce qu'est ce personnage. Il y avait dans leur relation cette dimension du sauvetage, un acte médical de plus. Je l'aide à s'en sortir, comme on dit. Sa négritude était pourtant un homme buveur et profiteur qui surnommait sa maîtresse « ma vache à lait ». C'est peut-être aussi un trophée en soi. Lui, le type qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'ampleur, en aucune manière, sauf peut-être physique, parce qu'il a une stature qui est assez impressionnante, il sort avec une toubib. Ça peut être aussi une sorte de réussite personnelle. Et ce qui montre aussi que Boulet est un chasseur, il aime les femmes. J'ai l'impression que tous les jupons passant à proximité sont des proies potentielles pour Boulet. Une proie en effet, car Boulet était violent avec elle. Elle raconte qu'une fois, Boulet lui avait coincé la tête dans le volant de sa voiture, puis qu'il avait tenté de l'étrangler. Elle avait déposé une main courante au commissariat. Il avait à plusieurs reprises été plus que menaçant. Enfin, je crois qu'il y a eu des coups. Il était venu plusieurs fois faire du scandale auprès de sa famille, à elle, défonçant le portail de leur maison avec sa voiture. Enfin, et puis des menaces. Et puis oui. Donc il y avait très certainement de la peur. Oui. Car les policiers se demandent lequel des deux amants avait de l'ascendant sur l'autre. Manifestement, dans le couple, c'est quand même pas forcément Edgar Boulet qui a l'ascendant. Il l'a peut-être physiquement dans le cadre de leur relation sexuelle, dans le cadre, bien sûr, de son comportement général. Mais il est extrêmement dépendant d'elle sur tous les autres aspects de sa vie, y compris les aspects administratifs. C'est elle qui lui impose de faire des démarches d'inscription à la NPE, qui l'aide dans les démarches de changement de domiciliation à Volpénil. Elle est quand même sa plume. Donc, quand on voit leur relation, eh bien, on se dit qu'elle a une part importante à la construction du Boulet a posteriori des faits. La question que se posent maintenant certains, c'est celle de sa responsabilité dans le quadruple meurtre commis dans la nuit du 16 au 17 septembre 1995. Écoutez, à partir du moment où elle a fait des déclarations en premier lieu parlant de bruit d'égorgement, on peut supposer qu'elle était là. Non seulement avant ou après, mais pendant les crimes.
mais elle continue de dire qu'elle était à ce moment-là séquestrée par son amant dans le cabanon. Le problème, c'est que l'un des crimes a sans doute été commis dans le cabanon. Cet endroit est celui, si on en croit l'accusation, qui consiste à dire que c'est Boulet qui les a tués ce jour-là, est l'endroit où, à tout le moins, l'un des assassinats interviendra. Et ça, on dispose d'éléments matériels pour le dire, qui sont notamment les découpes dans la moquette, le matelas, mais ça, c'est encore un élément un petit peu différent, mais surtout le fait que le cabanon ait été lavé à grandes eaux et qu'on ait installé une chape de ciment dans la cuisine. Donc vraisemblablement, le cabanon est l'endroit où l'une des personnes de la famille Davila a été assassinée. Donc elle ne peut pas être enfermée dans ce cabanon sans assister à la scène. Qu'a-t-elle vu précisément ? Qu'a-t-elle fait cette nuit-là ? La police n'a pas de preuves de son implication dans les meurtres, mais a-t-elle aidé son amant à camoufler ses crimes dans les jours qui ont suivi ? Par exemple, l'a-t-elle aidé à repeindre les murs ? On constate que cette peinture est coquille d'œuf et que dans les affaires de la compagne de Boulet, on va retrouver une facture d'un magasin de bricolage où, dans les jours qui ont suivi la disparition de la famille Davila, a été acquis un pot de peinture coquille d'œuf, eh bien, on a envie de faire un lien. Cette peinture a peut-être servi à cacher des traces de sang. Mais la compagne de Boulet ne sera jamais interrogée sur cet achat. On n'a jamais demandé à la compagne de Boulet de s'expliquer sur ça. C'est un élément qui est passé au temps de l'instruction parfaitement inaperçu. On ne lui a posé aucune question. Le seul moment où on lui posera une question sur l'achat de peinture, elle dira « J'ai acheté de la peinture pour refaire la peinture des volets de mon cabinet ». Et on s'en arrêtera là. Après 4 mois et demi de prison, la maîtresse d'Edgar Boulet est remise en liberté. La juge d'instruction estime qu'elle n'est pas une menace pour la manifestation de la vérité. On sent déjà qu'elle ne croit pas qu'elle ait eu un rôle capital et qu'elle est au bord d'abandonner les poursuites contre elle. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Gilberte Crovisier, la maman de Stéphanie, qui considère le médecin comme une complice à 100%. Gilberte Crovisier tente alors de mobiliser l'opinion contre la maîtresse de Boulet. Gilberte est revenue sur les marchés, les assassins sont dehors, les assassins en liberté, toujours ça sur ces grandes pancartes, avec toujours force photo, détails sur la manière dont ses enfants et petits-enfants avaient été tués. Ça, Gilberte, elle n'a jamais pu accepter tout ça. Pour maintenir la pression, la mère de Stéphanie et la famille de Donald organisent une marche blanche à Vaulpénil, 2 ans après le drame. Une marche qui rassemble les proches et les amis. On ne veut pas que les gens oublient qu'il y a eu 2 enfants qui ont été massacrés et 2 adultes. Et on ne veut pas que ça reste dans l'oubli. Gilberte est persuadée qu'Edgar Boulet n'était pas seul la nuit du drame. Pourtant, malgré les pétitions et les marches blanches, la maîtresse d'Edgar Boulet bénéficie d'un non-lieu. La justice considère qu'elle n'était pas au courant des meurtres commis par son amant. Le médecin ne sera donc jamais jugé pour ses faits. Mais elle reste mise en examen pour destruction de preuves, la lettre de son amant dont elle s'était débarrassée dans une poubelle. Edgar Boulet répondra donc seul devant la cour d'assises de l'assassinat de la famille Davila. Ça tronque l'accusation. Mais ça tronque l'accusation dans l'intérêt de l'accusation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne renvoie pas devant la cour d'assises la compagne de Boulet, on s'interdit d'avoir un véritable débat sur ce qui s'est véritablement passé. Ça, c'est sûr et certain.
Malgré cette décision irrévocable, Gilberte Crovisier ne lâche pas. Elle écrit à plusieurs personnalités politiques pour les sensibiliser à la clémence dont aurait bénéficié la maîtresse d'Edgar Boulay. Dans ses moments de solitude, elle écrit à sa fille, elle lui raconte son engagement quotidien. À ma Fanny, je sais que dans cette sordide et affreuse affaire, trop de personnes seront impunies et cela me torture l'esprit. Ma chère Fanny, je ferai tout mon possible pour vous rendre justice. Vous avez eu tellement de courage en nous quittant que vous me l'avez transmis pour vous défendre et jusqu'au bout. Mes pensées sont allées vers toi, à tout jamais dans mon cœur, ta maman qui t'aime. Gilberte Crovisier, la compagne d'Edgar Boulay, cette jeune femme blonde que vous aviez vue pour la première fois en vous rendant sur place, n'ira pas aux assises. En tant que mise en examen, elle sera juste témoin. Elle a bénéficié de ce qu'on appelle un non-lieu. Il faut rappeler que la maîtresse de Boulay, quand elle est en garde à vue, c'est elle qui dit qu'elle était là, la nuit du 16, qu'elle a entendu des cris de bêtes, des cris de moutons qu'on égorge. Elle dit aussi que les enfants sont enterrés sur le terrain et elle dit avec quelle arme ils ont été assassinés. Je ne pense pas que l'on puisse dire ça comme ça par hasard. Si on dit ces détails très importants, c'est qu'on est sur place et qu'on l'a vu. En plus, elle dit qu'elle était enfermée dans le cabanon que Boulay la séquestrait. On ne pouvait pas être séquestré dans cette maison. On pouvait rentrer et en sortir comme on voulait, puisque nous, on est rentrés dans cette maison qui s'était fermée à clé. On pouvait en sortir comme on voulait. Et si elle était séquestrée, comme elle dit, il faut qu'elle m'explique ce qu'elle a vu, puisque mon gendre, suite au résultat de l'autopsie, a été tué dans son lit, donc dans cette cabane. Edgar Boulay sera donc le seul à aller s'asseoir dans le box des accusés de la cour d'assises de Melun. Le seul à être jugé pour un quadruple assassinat, l'assassinat de toute une famille. Le procès s'ouvre le 6 juin 2000, un procès sans preuve matérielle contre l'accusé. Ouverture aujourd'hui devant la cour d'assises de Melun du procès d'un homme accusé de 4 meurtres, un couple et 2 enfants, dont les corps avaient été retrouvés en 96. Pour la première fois, Edgar Boulay fait face aux familles des victimes. Ça n'est pas un gringalet. C'est un homme de forte corpulence, s'exprimant bien. C'est un gars qui a un magnétisme physique extrêmement important. C'est déjà un colosse. Il est extrêmement imposant. Il a un regard qui est fort, qui a un regard pesant, puissant. Qui peut provoquer un certain malaise. Un malaise d'autant plus important qu'il continue de nier, alors que les proches de Donald et Stéphanie voudraient bien comprendre ce qui s'est véritablement passé la nuit des meurtres. De nombreux témoins sont attendus à la barre, et surtout l'ancienne maîtresse de l'accusé. Car même si elle a bénéficié d'un non-lieu, la cour lui demande de raconter à nouveau ce qu'elle a entendu la nuit du drame. Elle n'a pas un regard pour Boulay, mais ça, je peux l'entendre. Et elle adopte immédiatement un positionnement qui est aussi extrêmement étonnant pour quelqu'un qui a été blanchi, hein, puisqu'elle a bénéficié d'un non-lieu dans ses faits, qui est un mode de fonctionnement quasi de délinquant habituel. C'est-à-dire qu'elle dit « Ah non, mais moi, je sais rien, moi ». Je ne me souviens de rien du tout. Je ne me souviens plus. Je crois que, je suppose que, parlant même de ses propres témoignages ou de ses souvenirs, de ce qu'on lui demande, elle a plus de certitude sur rien. Elle est dans le flou total, dans l'approximation. Et la fameuse phrase
sur laquelle tout le monde l'attend. Tout le monde attend qu'elle se justifie là-dessus. L'ai-je vraiment prononcé ? Est-ce que ce ne sont pas les policiers qui me l'ont suggéré ? Elle sera dans cette posture-là. Face à la cour, la maîtresse d'Edgar Boulay semble frappée d'amnésie. Alors que tout le monde attendait qu'elle s'explique enfin sur ses déclarations. Moi, j'espérais qu'elle craque en plein tribunal, quoi. Mais non. Je me suis dit, elle va revenir sur ce qu'elle a dit. Elle va compléter, enfin, elle va avouer quelque part. Bah, je suis hors de moi, quoi. Je suis hors de moi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de lui sauter dessus aussi, quoi. Et pourtant, elle maintient qu'elle a tout oublié. À un moment donné, elle ment. Ou elle ment en disant qu'elle a entendu des cris de bêtes qu'on égorge. Ou elle ment après avoir fait cette déclaration, quand elle dit qu'elle ne se souvient plus de rien et que même elle se pose la question de savoir si elle a fait cette déclaration et si elle était présente au moment des faits. Donc, incontestablement, elle ment. On peut penser aussi à une manigance, c'est-à-dire que pour elle, la seule issue, désormais, c'est de feindre l'amnésie, c'est de ne plus se souvenir de rien. Le temps a un peu passé. Et elle sait, en plus, j'imagine, qu'elle sait qu'elle n'est là qu'en tant que témoin, et qu'à part se parjurer, elle ne risque rien. Son témoignage, l'essentiel, c'est qu'il n'en sorte rien. Pierre-Jean Gory, après avoir été le procureur de cette affaire, vous êtes devenu l'avocat général du procès d'assises. Le témoignage de la maîtresse de Boulay, qui vient dire devant la cour d'assises qu'elle a tout oublié, elle se souvient plus. C'est stupéfiant quand même. Ça dit quoi, ça ? C'est conforme à ce qu'elle est. C'est conforme à toutes les déclarations qu'elle a faites pendant l'instruction. Ce n'a été que des « je me souviens », « je me vois en train de », « il me semble que », « j'ai l'impression que », mais jamais « j'ai fait ci », « j'ai fait ça », très rarement, très très rarement. C'est quelqu'un qui n'assume pas, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire les choses à supposer. On peut même se demander si elle les intègre réellement. On peut à un moment donné la secouer et lui dire « attendez, vous êtes médecin, vous pouvez pas me raconter que vous avez vu des choses que vous les avez oubliées là, aujourd'hui ». Mais on lui a souvent fait cette réflexion. Mais on lui a aussi fait remarquer que... comme médecin, elle était la maîtresse d'un SDF qui la frappait, d'un individu violent qui avait été incarcéré à plusieurs reprises, qui était incarcéré au moment où on a véritablement commencé à avoir besoin de recueillir les explications de Boulay. Et elle disait d'ailleurs « il est ma négritude ». Et lui, de son côté, disait « elle est ma vache à lait », parce que, évidemment, il en profitait, bien entendu. C'est une femme qui avait un rapport compliqué à cet homme-là. Absolument. Reste maintenant à résoudre une énigme. Le mobile. Pourquoi Edgar Boulay aurait-il assassiné cette famille ? Il ne les a tout de même pas assassinés tous les quatre, juste pour récupérer un bout de terrain et une cabane qui ne leur appartenait même pas. Pour tenter de comprendre le mobile, la cour remonte alors au mois de juin 95, quelques mois avant les meurtres. Edgar Boulay vivait à ce moment-là dans un appartement de Damary-les-Lys, allée de la justice. Ça ne s'invente pas. Mais le 19 juin, il avait été expulsé de son HLM car il ne payait plus le loyer. Il s'est donc retrouvé à la rue. La maîtresse de Boulay, cette femme médecin, menaçait de le quitter s'il ne trouvait pas où se loger.
Or, il semblerait quand même que Boulet était attaché à cette femme. Et que ça a été aussi un des éléments qui a poussé, si j'ose dire, envers et contre tout, envers et contre tous, Boulet à chercher un domicile et où habiter. À cette époque-là, Edgar Boulet contacte tous ses amis. Il cherchait un hébergement, une solution pour se loger. Il est repassé à la maison, donc j'étais pas présent, c'est mon épouse qui l'a vu. Et à ce moment-là, il cherchait un peu, il me demandait un peu si je pouvais pas un peu l'installer au fond de mon jardin. Avec un petit camp, avec une tente où il me disait qu'il me dérangerait pas, ce serait provisoire. Mais bon, une tente au fond du jardin, ça, bon, je lui ai dit non, quoi, en fait. Alors pour vous, Pierre-Jean Gory, procureur puis avocat général dans ce dossier, quel est le mobile d'Edgar Boulet? Pourquoi est-ce qu'il tue toute cette famille? C'est un mobile qui peut paraître complètement dérisoire. Il apparaît dans le dossier que Donald avait expliqué à Boulet qu'il était autorisé à rester sur ce terrain par la mairie, à condition d'y faire quelques travaux. Et je crois que Boulet s'est dit, si ça se trouve, Donald, au bout d'un certain temps, ce terrain, il sera à lui. Enfin, il sera à toute la famille. Alors qu'il n'a aucun droit d'y être. Et je pense que c'est vraiment là qu'est l'explication de son geste. Vous êtes en train de me dire que cet homme a tué 4 personnes juste pour avoir un logement? Oui, pour avoir un logement, pour avoir un terrain, pour prendre leur place. Je crois que c'est ça. Pour prendre leur place. Tout ça, évidemment, sont des extrapolations. Hein. Boulet n'a jamais confirmé un quelconque scénario. Non. Boulet n'a jamais confirmé quoi que ce soit. Il s'est contenté de dire que Donald, Stéphanie et les enfants étaient partis. Et il s'est cramponné, si je puis dire, à cette version qui, au fur et à mesure que le temps passait, tenait de moins en moins. Évidemment, s'il s'accroche à sa thèse et refuse de reconnaître qu'il est l'assassin, c'est parce qu'il sait aussi que vous n'avez pas grand-chose contre lui sur le plan matériel. Vous n'avez rien sur le plan matériel. On a des témoignages, on n'a pas de preuves irréfutables, on n'a pas d'ADN, on n'a pas ce genre de choses. Pas d'armes? Pas d'armes. On n'a pas d'armes, effectivement. Pas de témoins directs? Pas de témoins directs. On a surtout des constatations aussi. Le fait que, par exemple, très rapidement, il a modifié l'installation. Il a fait disparaître les revêtements qu'il y avait au sol ou sur les murs. Il a refait la peinture, il a coulé une chape de béton. Tout ça, c'est quand même des éléments qui sont des éléments importants. En tout cas, c'est un verdict qui ne se fera que sur l'intime conviction. Il n'y aura rien d'autre pour le nourrir. Absolument. Au total, Edgar Boulet a passé 9 mois sur le terrain de ses amis, à quelques mètres de leur corps. 9 mois à faire croire aux uns le départ de la famille Davila en camion blanc et à raconter aux autres leur départ dans une secte. Il a manipulé tout le monde, même les propres parents de Donald qui avaient pourtant confiance en lui. Il s'est fait payer les factures d'électricité. C'est-à-dire qu'il ne payait rien en plus, il profitait de tout. Il s'est fait payer les factures d'électricité par les parents à Donald en leur disant que la moindre des choses, quand même, c'était de lui payer ses factures puisque leur fils lui avait confié la maison et qu'il leur avait pas donné d'argent. Donc là, c'est encore pire, quoi. Et de savoir que la maman de Donald est décédée de chagrin en réalisant tout ce qu'il avait fait, c'est comme s'il avait tué une personne de plus, quoi. La maman de Donald est morte, en effet, un an après la découverte des corps. En pleine audience, le père de Donald s'en prend directement à l'accusé. Il y aura du fond de la salle la voix du père de Donald qui n'a pas à intervenir, mais qui intervient quand même. Et la cour ne fait rien pour l'en empêcher. C'est un moment extrêmement poignant parce que M. Davila est un homme très pieux, qui est aveugle.
et qui cherche en réalité à avoir une explication de Boulet. Il veut l'entendre dire des choses. Et il lui lance une phrase genre « Boulet, libère-toi, ton péché n'est pas couvert ». Et là, on sent que Boulet perd les pédales, et c'est vraiment la première fois qu'il perd les pédales pendant ce procès. Le père de Donald a cité la Bible et le sixième commandement. Tu ne tueras point. Et ça ébranle l'accusé. Si Boulet ne semble pas impressionné par la justice des hommes, la justice divine lui fait peur. Après 8 jours d'audience, l'avocat général requiert la perpétuité contre Boulet. Interrogé une dernière fois, l'accusé répète « J'affirme que je n'ai pas tué Donald et sa famille. » Le verdict est prononcé quelques heures plus tard. Le verdict tombe et la peine est annoncée, perpétuité. Il ne scie pas, rien. Et dans la salle, rien non plus, pas de... Il y a comme un apaisement, c'est-à-dire que parfois on entend des cris. Des... Là, il... non. Et puis, je crois qu'il regarde, il balaye la salle d'un dernier coup d'œil et puis il disparaît. Le procès est fini. C'est la perpétuité, sans peine de sûreté. Mais c'est un grand soulagement. Mais que dire de ce procès tronqué ? Puisqu'une seule personne se trouve dans le box des accusés, nous restons sur notre faim. Mais pour Gilberte Crovisier, l'affaire ne s'arrête pas là. Elle veut maintenant faire condamner coûte que coûte la maîtresse d'Edgar Boulet. Elle n'y arrivera pas. En revanche, le médecin sera radié pendant 2 ans par le Conseil de l'Ordre. Mais depuis septembre 1995, on voit que ma tante n'est plus la même. C'est-à-dire qu'elle ne vit que pour ça. Elle n'a pas fait le deuil de l'histoire. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment son combat, quoi. C'est une mauvaise image, mais c'est comme un chien qui lâche pas, quoi. Elle veut pas lâcher. Elle veut pas lâcher parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est tout simplement le combat de sa vie, quoi. Et aujourd'hui, sa vie, c'est ça. C'est son combat pour faire condamner les complices, enfin ceux qu'elle considère au moins comme les complices. Et si on ne les fait pas condamner par la justice, au moins les faire condamner par le Conseil de l'Ordre. Et si on n'arrive pas à rentrer par la porte, on essaye par le soupirail. Voilà, elle est acharnée, elle ne veut pas lâcher. Et je pense que c'est aussi son acharnement qui a fait qu'on a découvert au moins une partie de la vérité et qu'on a découvert les corps. Le terrain que Donald et Stéphanie appelaient leur paradis a fini par être évalué 1,50 € le mètre carré. Aujourd'hui, là où étaient enterrés, blottis les uns contre les autres, les 4 corps, il y a un lotissement. Et à quelques centaines de mètres de là, le petit Donald et la petite Donatella reposent aux côtés de leurs parents dans le cimetière de Volpénil.